Silky B. On est cave particulière, c'est-à-dire qu'on travaille nos vignes, on vinifie nos vins, on vend nos vins, on fait tout. Et de père en fils, ça depuis 1464. Ça fait quelques jours. Ça fait 23 générations. Ouais. D'accord ? Moi, je suis la 22e. Et mes fils qui sont arrivés depuis 5 ans sont ma 23e génération. J'ai des petites filles, un petit-fils. Ça fera bien la 24e génération. Alors, on a 48 hectares et on est HVE, haute valeur environnementale, depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est le cousin germain du bio. Mais nous, tout est pris en compte. La faune, la flore, la gestion de l'eau. Tout est pris en compte. Pas seulement que ma parcelle où je mets du cuivre, du soufre, du cuivre, du soufre, du jus. Je stérilise mes terres, je m'en fous de la faune et voilà. Nous, c'est pas une gestion comme ça. C'est une gestion beaucoup plus pointue. On fait beaucoup de... On va voir tout... Là, on me dérange. On va voir tout dans nos terres, etc. On ne va pas forcément... Bonjour. Au revoir. Bonne journée. Désolée. Hein. Alors, donc on est HVE niveau 3, donc pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, on enherbe ou on gratte. Voilà. On n'est pas là pour stériliser nos terres et puis on est à la 23e génération, on est quasiment sur le même territoire. Donc, voilà. Ça, c'est la petite histoire. Donc là, à l'heure actuelle, c'est donc on est 4. Mes deux fils, mon mari et moi-même. Alors, je vais vous faire déguster une perle de Viognier. Ça, c'est un pur Viognier. Voilà. Donc, on est sur le fruit. Ça, c'est un vin d'apéritif. Aussi avec de l'asperge, des truffes. Et en Guadeloupe, il ne doit pas y avoir de truffes. Oui, les viandes de plantes. J'en ai bien joué. Vous aimez ? Ouais, oui. Moi je trouve vraiment bon aussi. C'est bon, hein, ça. Alors, ensuite je vais vous faire goûter donc. Alors, pour ceux qui ne veulent pas terminer, vous pouvez le verser. Alors, ça, je vais vous faire goûter, ça va. Ça, c'est vraiment bon, ça. Je préférais le premier. Mais lui, vraiment. C'est mieux quand on raconte. Oui, bien sûr. C'est pour garder notre Alors, c'est un petit bonhomme, on a chanté sous les... On a semé, on les a plantés, on a fait grandir en chantant dessous, on a ramassé, on a vinifié et on partage. Tout
tout ça pour vous dire qu'il y a 4 ans, on a pris une parcelle de vigne et on a quelques parrains qui ont parrainé les pieds de vigne. Et ensuite, la première récolte, ils ont eu chacun une 36. Voilà. Et on l'a appelé le temps de vivre parce que il y a des gens qui ont parrainé. Et on les a plantés en février et en septembre, ils nous demandaient s'ils pouvaient avoir leur bouteille. Alors on a réexpliqué un peu comment ça fait du temps, parce qu'il fallait au moins 3 ans pour qu'on puisse récolter et que la vigne elle commence à faire quelque chose de... Voilà. Donc on a appelé le temps de vivre, parce qu'on leur dit, mais prenez le temps de vivre. Voilà. Voilà l'histoire. Une jolie histoire, hein. Alors, je vous mets après les autres parce que celui-ci, là, il est quand même. Il est plus marqué. C'est très bon, ça, l'apéritif. De la piscine, de la bassine, comme on veut. Mais... Sur la bassine, moi, je peux jouer bien l'image. Et tout le monde n'a pas de piscine, en fait. Donc, ça, c'est, voilà, c'est un autre. C'est plus tranquille. Au bord de la piscine. Il est rafraîchissant.